Yo les potos, c'est Myrolam, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, moi ça va nickel et on est parti pour l'épisode 5 sur Nexion. Bon, l'autre fois j'avais craft ma petite épée en titane améliorée, sauf que on a eu un châtiment au lieu d'un tranchant. Bon, c'était pour farm, eh bien au spawner à lutin. D'ailleurs, spawner à lutin qui ont eu un petit problème, d'après ce que m'a dit. Ça a été pillé et des gens m'attendraient pour me tuer, mais bon. On va tenter de se TP au spawner à lutin et voir ce qu'il en est. Je suis un peu curieux quand même. Attends, mais non, mais attends, ils ont tout refait? What? Attends, j'ai pas compris là. Attends, c'est... Ceci est les coffres. Ceci sont les coffres de farm seulement. Ok, bon, en tout cas, il y a personne déjà. What? Ah, c'est lutin qui m'a tapé. Ouais, j'ai flippé. Et là, on a un zombie avec un bouquin. Bah, je vais le tuer pour voir, mais what? Oh, 2100 zombies! Bah, après, avec châtiment, au moins, je peux farm comme ça, tranquille. Et mon épée se répare. What? Mais attends, mais. En fait, pourquoi il me tape pas les zombies? Je peux tellement farm de l'XP là? Oh là là. Les gens, je vais me faire un plaisir. Je vais me faire un petit plaisir avant de passer à la suite. Et les gens, je vais prendre des levels de ouf là. En soi, c'est quand même beaucoup mieux aménagé comme ça. Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup plus de visibilité. Le problème, c'est que je ne one-shot toujours pas les lutins. Donc ça, c'est assez problématique. On va ouvrir le C, mettre les quelques bouquins. Et je pense que je vais partir pour farm un peu. Écoutez, hein, c'était pas prévu qu'il y ait autant d'XP dispo. Et on mettra tout ça en fiole une fois que bah, j'aurai assez d'XP. Enfin, du moins, dès que j'ai 30 levels. Mais attends, j'ai visité, mais en fait, ils auront fait toute une base. Ou ça se passe comment? Je sais pas si c'est la même base. Enfin, du moins, la même faction. Ou si c'est carrément une autre faction. Là, je sais pas du tout. Après, on est en pleine journée. J'ai peur qu'il y ait quelqu'un déconnecté, en fait. Donc, je vais faire très attention quand même. Bon, pendant cela, moi, je vais un peu farm et tout, hein, en tant qu'affaire. Je vais un peu visiter. Alors, il y a d'autres panneaux. Faites attention de ne pas lancer des potions si alambic vide. Ne rien toucher sauf les coffres, pastèques, poudre lumineuse et tout. Mais en fait, ouais, je sais pas si c'est la même faction, en fait. J'ai fait un petit F-map. Bon, j'ai fait le F-map. Et oui, en effet, c'est la même faction. Donc, pas de soucis à ce niveau-là. Donc, je reste assez safe. Et si j'ai un problème avec ça, bon, bah, je pense que du coup, je pourrais MP les membres de la faction qui ont le spawner. Bon, moi, bien sûr, du coup, je vais rien détruire, hein, parce que c'est leur spawner et que je suis quand même là pour farm. Ici, on a un étage avec de la Nether Wart. Oula, par contre, les escaliers, genre, ils vont beaucoup trop vite. Ok, bah, écoutez, c'est bon à savoir. Et moi, du coup, je peux farm tranquillement au spawner à zombie et au spawner, eh bien, à lutin. A titre informatif, là, je suis à 99 602 de monnaie, donc ce qui est pas trop mal en soi. Pourquoi y a des cochons ici, en fait? What? Mais pourquoi y a des cochons? Ça par contre je sais pas. Bon bref, écoutez, je me fais d'XP et on voit quel niveau je peux atteindre avec, eh bien, juste les mobs qui sont là. Bon, je rappelle, une des propriétés de mon épée en titane, c'est qu'elle se répare automatiquement lorsque je combats un joueur. Donc ça veut dire qu'elle a une sorte d'effet de raccommodage, même c'est du raccommodage. Donc en soi, je peux farm à l'infini, comme je l'avais précisé, eh bien lors de la dernière vidéo. Bref, je farme ça et après, limite, je vois pour faire quelques défis. Parce que je rappelle que dans l'inventaire, on a pas mal de défis. Enfin, du moins de quêtes à réaliser. En particulier côté PVE. Et là, faut que je tue encore 10 poulets. Donc ça, je sais pas où est-ce que je vais les trouver. Mais faudrait que je les trouve. Bref. Moi, je vous dis, eh bien, à tout de suite. Oh non! Ils ont été reset, les zombies! Ah, je suis deg. Bon, bah, tant pis. Tant pis. Bon, bah, écoutez, hein. Je suis un peu triste pour le coup. Juste un peu. Bon, bah, du coup, tant qu'à faire, on va passer aux quêtes maintenant. Vu que de base, il y avait 2000 zombies à farm et que, bah, les 2000, ils ont été réduits en miettes. Bon, j'ai vraiment pas mal de choses à faire dans le sens où il faut que je réalise déjà des quêtes. Où il faut également que je monte ma classe marchande qui, je rappelle, donne des points de compétence pour certains avantages de la classe marchande. Mais bon, on va déjà commencer par ça. Donc, tu es 10 poulets. Où est-ce que je vais les trouver? Je ne sais pas trop encore. Alors, est-ce qu'il y a des warps avec justement des poulets et tout? Alors, slash warp, on a marché shop, enchantement, info, expérience, classement, minage, épique, warzone, épique, mage, enclume et donjon. Bon, le donjon, on fera pas tout de suite. Bon, j'avais pas trouvé les poulets, mais je viens de me rappeler qu'il y avait une quête de commerce avec... Donc juste vendre des citrouilles et des patates. Des citrouilles du coup j'en ai ici. Et des patates, je pense que je peux récolter ça relativement assez facilement. Je vais prendre ma faucille en titane, récolter déjà 2 stacks de citrouilles. Et limite je vais farm juste un peu des pommes de terre après pour bien réaliser la première quête. Bon, on a enfin les ressources nécessaires à la quête de farm. Bon, je voulais juste tester pour voir ce qu'on avait en quête suivante de proposer et surtout au niveau des récompenses. Donc là, faut juste que je vende. Je vais tout vendre. Je vais tout vendre direct. Du coup,
J'ai 25 XP de plus. Et pareil, je vais tout vendre au niveau des citrouilles qui ne sont pas achetables. Et tout vendre. Du coup, là, on a réalisé la première quête. Et du coup, on a débloqué une deuxième quête, c'est vendre 5 items à l'hôtel des ventes. Par contre, au niveau HDV, limite, en fait, faut que je mette un truc vraiment pas cher, histoire que ça parte direct, quoi. Bon, ça, du coup, ça va être dur à réaliser pour l'instant, donc on va passer à la suite. Au niveau des minerais, faut que je mine une fois de chaque minerai, sachant que j'ai déjà miné du titane et des random or, donc il manque plus que iris et opale. Et au final, ce sont les deux plus simples, bref. Bon bah écoutez, on va se faire ça, parce que je vous avoue que j'aimerais au moins passer au niveau 1 de la classe marchande, voire on va dire un peu plus. Ma BP n'a pas été pillée, et ça c'est plutôt cool. On va prendre une petite pioche en iris, et on va stepper au dernier home, où on s'était arrêté lors de la recherche de pillage, afin de trouver eh bien un iris et un dopal. Bon, c'est vrai que dans ces moments-là, je me dis, mais pourquoi je prends pas de redstone et de barrière comme ça si je cherche du pillage au passage? Bah, pourquoi pas trouver une petite base cachée, hein? On n'est pas à l'abri de tomber sur une petite BP, bien sûr. Attends, je mettrai bien un petit bonsoir dans le chat. C'est vrai que je parle jamais dans le chat. Attendez. Bonsoir. Coucou. Oh, il y a des random or. Attends. Là, on a quoi? On a de l'opale? Ah, mais attends, ça compte? Attends, on a quoi là? Oh, on a une gemme les gens, on a une gemme. Fragment de réparation, nickel. Petite gemme de réparation. Bon, je vois que ça se femme pas mal quand même. Oh, mais non mais what? C'est quoi tous ces minerais? Attendez, je vais jeter les pastèques, de toute façon ils me servent à rien là. Oui, je sais, j'aurais pu les vendre, oui mais c'est pas le principe là. Oui, bah c'est pas l'objectif, hop, opale. Et il manque quoi au niveau des minerais en fait? Genre quasiment rien. Il nous manque juste un d'iris. Ok, bah juste un minerai violet et c'est tout bon. Là on a du titane et tout, c'est ouf. Ok, là j'ai gagné de l'XP, du moins. Je viens de passer niveau 1 de la classe. Et bah ça c'est plutôt nice. Écoutez, on va voir comment ça se passe du coup au niveau de la classe marchande au niveau 1. On se retrouve donc avec juste un jeton pour les compétences. Et à vrai dire, pour les premiers, bah faut quand même 5 points au minimum. Donc être au moins niveau 5 dans sa classe. Donc je pense que j'ai encore pas mal d'XP à faire. Mais écoutez, vous savez quoi, je vais farm. Je vais tenter de passer pas mal de levels. Et au passage du coup d'avoir pas mal de minerais. Bon écoutez, on farme ça et on se retrouve une fois que j'ai peut-être assez de points. Qu'est-ce qui peut être pas mal à monter en premier? Augmente vos gains d'expérience de classe par un pourcentage, ça c'est pas mal. En soi c'est pas mal le boost d'XP. Bon, faut être niveau 5 au moins, voilà. Bon, allez, on mine. Ok les gars, petit random or, qu'est-ce qu'on a dedans? On a déjà plus d'XP, on a juste un peu d'opale. Bon, hein, petite déception à ce niveau-là, ici on a d'XP. Ok, on a enfin l'iris, c'est bon, oui, on a réalisé du coup la quête. On a gagné un point de quête et on peut tout de suite voir ce qu'on a en quête suivante. Donc là, actuellement, j'ai 5 quêtes en cours et 3 crédits. En fait, je sais pas trop à quoi servent du moins les crédits de quête actuellement. Mais bon, écoutez, on peut passer à la suite et miner 128 d'Obsi. Ah ouais, dur. Et c'est seulement les blocs obtenables de façon naturelle. Bah écoutez, je pense qu'on va se coller à ça. Par contre, je vais devoir trouver un petit bloc, enfin du moins un petit lac de lave que je vais sûrement asperger d'eau. Oh, j'ai failli laisser les risques. Bon, est-ce qu'il y a de la lave? Alors, attends, là-bas, il y a plein de lave là-bas. Bon, cependant, je suis un peu déçu parce qu'il n'y a vraiment aucune base dans les environs. Il n'y a pas de minerai là-bas. Ouais, je pense qu'on va aller directement au lac de lave là-bas. Bon, par contre, je vous dis, 128 d'Obsi, ça va pas durer 2 secondes. Ah, mais en fait, la lave, elle coule pas. Je viens de capter ça. Bon, bah écoutez, c'est bon à savoir. Hein. Voilà, donc j'ai mon lac de lave et on se retrouve une fois que j'ai tout miné. Hein. Que 128 d'Obsi, c'est pas si rapide que ça. Hein. Bon, allez, let's go, tac. Bon, je pense qu'il y aura assez de sources de lave pour toute l'obsidienne. Je vais laisser quand même 2 places du coup pour les 2 stacks. Ah, ça va être relativement assez long quand même. Hein. Bon, allez, let's go. On a commencé la quête, elle est affichée. Le but, alors c'est pas forcément d'avoir l'Obsi, mais juste de miner 128 d'Obsi. Bref, allez, let's go. Bon, j'ai pas repris le rec, mais... oui, du coup, j'ai fini ma quête. Je suis passé au niveau 2 dans la quête de farm. Par contre, qu'est-ce que j'ai? Ensuite, on a récolté 32 murs et myrtilles. Ouais, ça va être un peu compliqué vu que la farm, du moins, a été pillée. Mais au niveau, du coup, des crédits de quête, on en est à 5. Donc, je pense que ça veut dire qu'on a 5 quêtes réalisées. Et au niveau de l'XP de classe, on est à 1600 sur 4600.
Donc ouais, ça prend pas mal de temps, faut l'avouer. À la limite, ouais, c'est vrai que niveau classe, je peux aussi craft ça. On va craft les plastrons. Enfin, du moins, en full surf, en opale, c'est pas hyper compliqué non plus. En soi, c'est des défis assez simples, genre qu'on peut faire assez rapidement. Donc autant les faire. Hop, le petit stuff, du coup, on réalise avec la table de craft. Ensuite, on a craft 32, ancienne obsidienne. Alors ça, on va aller du côté du wiki, du coup. Ancienne obsidienne, ok, nickel. Donc il faut 4 d'opsy et une pierre moussue, ok, d'accord. Par contre les pierres moussues, normalement c'est avec de la liane, ouais. Et des lianes, bah j'en ai pas. Bon, voilà, limite il y a un truc que je peux faire, c'est manger 32 pommes dorées. Bah vas-y, allez, on va se les manger. Ok, nickel, du coup on a les 32, hop, on a un défi de plus, on gagne un peu d'XP pour la classe. Ah, c'est vrai que je pense que ces prochains jours, faut vraiment que je farme les quêtes. Ici, on a deux, faire deux random DP. Ouais, mais en fait, je pourrais le faire qu'une seule fois, en fait. On va faire slash RTP, ok. Et je crois que j'avais un ticket de RTP quelque part. Enfin, du moins, les RTP, c'est tous les... Ah ouais, c'est tous les 3 heures quand même, c'est pas rien. Bon, bah, je pense que on est relativement assez bloqué au niveau des quêtes. Mais je tiens à noter que le boost d'expérience de classe est pas trop mal en soi. Bon, je vous avoue, là, je vais surtout me focus sur l'XP des classes pour les prochains jours. La prochaine fois, on essaiera de commencer à débloquer certaines compétences pour la classe marchande. Et surtout, si vous avez des pillages à proposer, la prochaine fois, j'essaierai d'organiser un vocal avec un abonné pour faire un pillage sur Nexion. Après, moi, je recherche pas spécialement de stuff, donc écoutez, juste pour faire le pillage avec vous. Sur ce, c'était Miro, je vous kiffe. N'oubliez pas de like, de vous abonner si c'est pas fait. Et je vous dis à très bientôt pour une petite vidéo, et bien sûr, Nexion. Ciao!